Hey yo les gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui petite vidéo un peu sur Fortnite, parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et je me suis dit, bah pourquoi pas en faire, et c'est vrai que ça faisait un moment que vu qu'il y a pas mal de jeux qui sont sortis, donc Dying Light, il y a pas mal de petits trucs qui sont sortis, et qui sortent encore, hein, comme normalement fin d'année nous aurons un nouveau Zelda sur Switch. Cette année on a eu quand même Dying Light 2, on a eu Pokémon, Pokémon Legend Arceus qui a encore des mises à jour, on a eu des mises à jour sur Dying Light 2 qui sont plutôt bien. Alors bon, c'est vrai qu'il y en aura toujours et encore vu que c'est des nouveaux jeux, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Et je me suis dit, bah vu que je jouais à Fortnite, bah parce que vu que j'ai sauvé le monde, je me suis dit, bah pourquoi pas vous faire une vidéo sur Fortnite, parce que normalement lundi je devais live, mais vu que je n'étais pas là, donc je n'ai pas pu live. Et normalement vous devriez avoir une vidéo bah, le jour où je tourne la vidéo, donc je sais pas si je pourrais la faire sortir, ou soit vous aurez la vidéo pour vendredi, et normalement jeudi vous avez un live, donc on commencera un live donc on fait sur Dying Light. Moi de mon côté je vais commencer sur Dying Light. Alors oui, bien sûr je l'ai déjà terminé 3 fois, hein, bien sûr, mais je voudrais vous le faire moi de mon côté et avec mon point de vue, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le jouent. Donc j'ai vu Link qui était racide, j'ai vu pas mal de youtubeurs. Alors je dis Link qui était racide parce que c'est la phase quoi. Wonkill Studio, c'est quand même la phase, donc qui n'est pas abonné à Wonkill serait complètement débile. On va pas dire que voilà que je leur fais de la pub, mais c'est vrai que ça fait plaisir de revenir sur Fortnite. Alors on va parler déjà de pourquoi et comment. J'ai pas de musique. Alors parce que j'ai comme vous le voyez sur la petite étiquette en haut à droite, il y a le faucon et la femme, le phéton et la femme. Faitons les femmes, et en fait la musique est une musique copyright. Donc je vais juste vous le montrer ce qu'il y a. Donc il y a la musique qui est là, donc I am flawless. Donc comme vous le voyez, c'est une icône, une musique, une série icône. Donc voilà, elle est copyright. Nous avons le cœur avec les doigts, donc c'est plutôt cool. Nous avons, normalement nous avons le petit, alors attendez si je le trouve, ouais voilà, il est là. Donc là c'est avec le bateau, donc bon, alors attendez, je vais essayer de trouver avec un autre truc qui sera peut-être mieux pour le voir. Voilà, sur l'arme ça fait plutôt sympa. Il est pas réactif, je crois pas, mais c'est vrai qu'il est plutôt sympa. Ah si, il bouge, l'intérieur bouge, donc c'est plutôt sympa. Et il n'y a pas d'icône, et je crois pas que je crois bien que c'est tout. Il y avait juste 3 trucs. De toute façon, on peut le voir directement ici. Donc avec un truc au mur, vous avez le cœur, le petit camouflage d'armes et la musique. Donc c'est plutôt sympa. 4 petites choses qui sont sympas. Donc qui sont gratuites. Donc pour ceux qui ne sont pas encore. Je parle. Attendez, je viens de me rendre compte. Piste 1. Piste 1. Piste 2. Voilà. Je vous mets le jeu. Voilà, c'est bon. Voilà, ça devrait être. Mais on voit rien, Drac. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? C'est bien de dire, mais bon. Voilà. J'ai regardé, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas de piste. Voilà, en fait, voilà, à partir d'ici, donc vous le voyez, donc ça c'est gratuit, donc vous avez juste à aller dans la boutique, et ils sont tout au-dessus, donc je vous invite à aller les chercher, parce que je sais pas s'ils vont les passer payants, mais normalement ils sont gratuits, donc bon bah moi je les ai récupérés, mais ils sont gratuits. Emote synthétisé et animé. Ah si, ils sont animés quand même. Donc ouais, mais bon, on le voit pas trop. Et donc le clin, hop. Donc plutôt sympa. Alors bon, c'est gratuit, c'est sûr, mais au moins voilà.
Donc, on va lancer une petite solo. Alors, je vais pas essayer de faire les défis ou quoi que ce soit. À part si, attendez, requin-cœur, il faut quand même que j'ai un requin-cœur. Infliger des dégâts au fusil à pompe spécialiste d'assaut. Ok, et qu'est-ce que j'ai? Collecter de l'or. Bon, bah, ça devrait être simple. Et qu'est-ce qu'on a là? On a infligé avec une tente. Interagir avec une tente, un bug blabla. Ok, infliger des pistolets mitrailleurs. Ah, bah, ça c'est simple. Je pense que je vais aller là. Ça dépend où est le point de tiret. Donc, on va se lancer. Donc, je vais jouer avec elle. J'ai Spider-Man, bien sûr, mais. Je pense que tout le monde, voilà, déjà que je sais même pas si on va pouvoir jouer correctement parce que il y a beaucoup trop de joueurs qui jouent avec les gants de Spider-Man et voilà, encore quand c'est les défis, je peux comprendre, mais ça sert strictement à rien, je trouve, hein, de jouer les gants de Spider-Man, surtout que je trouve que ils auraient dû les enlever une fois que l'actualité Spider-Man était terminée. Parce que je trouve que pour certains, ils ont la facilité. Parce que moi, vu que je suis relié avec aussi des joueurs PC ou quoi que ce soit, eh ben, c'est très compliqué de jouer avec certains. Et donc, voilà quoi. Faut se calmer, les gens. On va essayer d'aller là, mais bon, ça m'étonnerait. Alors attendez, je baisse un peu mon bordel. Alors, normalement, il va y avoir du monde, hein, bien sûr, vu que j'ai sauté trop tard. Les balles, on fait le tour. J'ai vu personne atterrir dans le coin, c'est cool. Les gants de Spider-Man, parce que je les prends pas, c'est tout. Parce que je ne supporte pas les gants de Spider-Man en fait. Ça va pendant un moment. Ça va aller pendant un moment en fait. Ça ira pendant un moment, ça va être sympa. Mais le truc, c'est que je trouve que les gants de Spider-Man sont trop cancer en fait. Les gens vous prennent du dessus et après. Bah pour vous faire quoi que ce soit, pour vous faire au minimum votre top ou votre section correctement, au moins finir top 1 ou top 2, et bah vous pouvez pas parce que bah il y a toujours un abruti pour venir vous casser les pieds. Donc bon, je parle pas pour tout le monde, hein, bien sûr, hein, y en a certains. File-moi la boîte, espèce de... Attends, c'était pas celui-là?
Ah bah si. Bon, on va le garder. Faire un peu de matériel. Hein. C'est pas interdit de faire une... C'est encore moi. Ce sera mon dernier message. Tout, et je dis bien absolument tout, dépend désormais de toi. Tu as toujours été bien plus que notre pilote. Tu as été notre espoir dans nos heures les plus sombres. Tu nous as tous réunis. Après tout ce que tu as vécu, j'aurais aimé ne pas avoir à te demander de reprendre du service. Mais nous n'avons pas le choix. On va éviter Telted. Dites-moi en commentaire qui c'est qui va souvent à Tilted Tower pour ceux qui jouent. Que ce soit en duo, en trio ou en section. Parce que je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de monde qui doit interagir avec Tilted Tower. Et qui dure pas depuis 5 minutes. Moi j'y vais pas parce que je sais que Tilted Tower c'est la zone. On l'a joué. Le truc c'est que ça peut être un cancer pour plus tard quoi, mais bon. Écoutez, il joue avec sa poupoule. On va le laisser jouer avec sa poupoule. Est-ce que ça compte les... ça compte. Ah si ça compte. Ah bah c'est cool. Bah voilà. Vous avez vu un nouveau défi qui peut se faire facilement. Je l'aime pas cette pompe, c'est ouf.
Youhou. Allez. Aucun kill, ça me plaît pas. Quand j'ai pas des kills dès le début, c'est que je vais pas aller bien loin. Ou si, je vais aller loin, mais la plupart du temps, j'aime pas finir top 1 avec un kill dans la manche. Parce que ça fait bizarre en fait. J'ai l'impression d'avoir juste rien branlé en fait. À côté de certains où ils campent. Alors bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne campent pas. Hein, je ne dis pas tout ça pour tout le monde. Mais je dis que quand tu commences une game, au moins avoir deux kills. Mais au moins voir un kill ou deux. Mais moi dans ces coups de temps là, quand je vois vraiment que par exemple ben je peux plus je peux vraiment pas faire quoi que ce soit. Celui-là. Ben je préfère encore laisser le top 1. Parce que je me dis que c'est mieux que de finir top 1 avec un kill dans la poche. Donc surtout qu'en plus on n'entend personne tirer, on est plus que 16 et soit ils campent, soit ils jouent avec les poules. Mais ouais, c'est lourd. On a le lama qui est là-bas. On a un Spider-Man qui se balade. Voilà. Alors là c'est un cancer, ça par contre. Ça c'est le genre de. Je l'ai même pas vu sauter. Oh, il va pas durer longtemps. J'ai horreur des gens qui construisent ou qui ont des trampolines comme ça, ils savent pas. Puis après ils disent les gens comme ça et puis ils se plaignent qu'après les gens vont en partie bot. Bon après c'est vrai que j'avais pas fait de kill donc je préfère qu'ils m'allument tout de suite. Donc voilà. Bon, bah j'espère que cette petite partie vous aura plu. Bon, je suis un peu dégoûté parce que clairement j'aurais préféré faire autre chose quand même, comme game. Clairement. J'aurais préféré faire autre chose comme game, mais on peut pas non plus tout prévoir. On peut pas tout prévoir non plus. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Moi, c'est vrai que bon, j'avais pas fait d'autres games, mais bon, je laisse un peu le jeu de côté. C'est vrai que Fortnite, à partir du niveau 100, je m'étais dit ouais, j'arrêterai machin. Bon, je suis quand même niveau 158. On va me dire ouais, t'avais dit d'arrêter, mais tu continues. Ouais. Bah, le truc c'est que bon, quand il y a des étoiles qui arrivent, quand il y a des défis qui arrivent, j'essaie de faire les défis au minimum. Pour au moins grimper, parce que bon, c'est vrai que les défis c'est quand même pas mal. Même si au fil du temps on se dit qu'après le niveau 200, Fortnite nous pourrait nous filer 10 niveaux ou plus quand il y a une saison qui arrive. Parce que clairement, quand je vois qu'il y en a qui achètent les passes directement niveau 100 et puis qu'après ils se la pètent pour dire ouais, moi je suis déjà niveau 100 ou quoi que ce soit, les gars. On sait très bien que vous avez acheté le pass, vous n'avez pas fait le jeu en une journée, donc faut arrêter les conneries. Hein, moi, j'ai mis quoi? J'ai mis 2 mois, voire 3, et en jouant correctement et en usant des V-Bucks. Hein, je le dis, en usant des V-Bucks. Et encore, moi j'ai sauvé le monde, donc toutes les fins de semaine,
toutes les fins, ouais, tous les 7 jours, j'ai entre 150 V-Bucks, 300, et puis des fois, je peux en avoir 1000K, mais ça dépend. 1000 V-Bucks, mais bon, ça dépend des mois et des jours, et ça dépend si vous y allez souvent. Si par exemple vous y allez plus pendant un certain temps, ça vous descendra les V-Bucks. Là, par exemple, pour la fin du mois, j'en ai 150 V-Bucks. Donc, c'est vrai que bah, 150 V-Bucks plus 150 V-Bucks plus 550 V-Bucks, bah, à la fin, ça vous fait quand même pas mal de V-Bucks, même si c'est tout le temps à la fin du mois. S'il y a des skins que vous loupez, bah, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, je peux pas. Puis bon, il y a certains skins. Quand je vous vois jouer avec certains skins, je me dis que autant avoir un joueur avec aucun skin qu'avec avec un skin qui ressemble à rien. Donc voilà, passez une bonne fin de journée. N'hésitez pas à faire le nécessaire pour la chaîne. Je vous laisse. Et on se dit à la prochaine, les gens. C'est Drake Survie. Peace!